Bonjour et bienvenue sur mon blog Actu Nutrition pour mincir et rester en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des baies de goji car elles font partie des super aliments qui agissent efficacement sur notre santé. En Chine, on parle du fruit du sourire, voire même fruit de la jeunesse éternelle. Quoi demander de plus? Les baies de goji se présentent sous forme de fruits secs et une cuillère à soupe représente seulement 52 kcal, soit l'équivalent de 1 carré de chocolat. Parce que ces fruits ont un grand pouvoir antioxydant et qu'ils aident à stimuler nos défenses immunitaires, il vaut mieux consommer une cuillère à soupe de baies de goji plutôt que 1 carré de chocolat. Les baies de goji ont également une grande teneur en vitamine C, ce qui en fait un remède efficace contre la fatigue. La présence de zinc et de cuivre vous aidera à lutter contre des carences que vous auriez pu accumuler durant vos différents régimes. Aussi, voici mes conseils. Le matin, n'hésitez pas à prendre une cuillère à soupe de baies de goji avec un yaourt ou un fromage blanc. N'oubliez pas qu'un jus de fruits le matin vous apporte entre 6 à 10 morceaux de sucre, alors qu'une cuillère à soupe de baies de goji vous apporte seulement 2 morceaux de sucre, ce qui sera beaucoup mieux pour votre poids. Le matin, au lieu de finir par un dessert sucré ou un fruit ou 2 carrés de chocolat, prenez plutôt une cuillère à soupe de baies de goji qui vous apportera de l'énergie pour votre après-midi. Je vous recommande de profiter de ces fruits magnifiques qui seront vos alliés tout au long de la journée. Mais attention, surtout ne prenez pas de baies de goji le soir si vous avez des problèmes de sommeil, car le teneur en vitamine C peut vous empêcher de dormir si vous avez le sommeil fragile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez des conseils personnalisés, vous pouvez prendre rendez-vous en visioconsultation en cliquant sur l'onglet « Prendre rendez-vous ». Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.